Moment to acknowledge every person in the group. Et prenez un moment pour reconnaître chaque personne dans le groupe. You're going to do this with eyes open. Et vous allez faire cela les yeux ouverts. You're going to look at everyone that is in the group. Donc vous allez regarder chacun qui fait partie de ce groupe. And you're going to extend gratitude out of your heart. Et vous allez étendre de la gratitude à partir de votre cœur. For them to be here. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Gam Ganapataye going to have a focus for our meditation. Nous allons avoir un point focal pour notre méditation. And every focal point for our meditation. Et chaque point focal pour une méditation. Hopefully gives us the ability to investigate. Il faut espérer que ça nous donne la possibilité d'investiguer. And what we want to investigate is our emotions. Et ce dont il s'agit d'investiguer, ce sont nos émotions. And the condition of our mind connected to the emotions. Et les conditions de notre esprit connectées à ces émotions. If you don't do investigative meditation, si vous ne faites pas des méditations d'investigation, you will never get to enlightenment. Vous n'allez jamais pouvoir atteindre l'illumination. Vous allez prendre le papier que vous avez écrit et tout ce que vous avez à offrir au dispatcher. The leaves three times, et une fois que vous avez soufflé sur les feuilles trois fois, you're going to take the leaves and put them anywhere inside of the piece of paper. Vous allez prendre les feuilles et les mettre où vous voulez à l'intérieur. Thank you.
Why am I receiving this pipe? La question est, pourquoi est-ce que je reçois cette pipe? What is the relevance? Quelle est l'importance? How many times have you prayed with a pipe like this before? Combien de fois avez-vous déjà prié avec une pipe comme celle-ci avant? Mm-hmm. And start connecting. Start praying with your pipe. Et commencez à vous connecter, commencez à prier avec votre pipe. Le fait de la transe chamanique, de cette transe danse, permet vraiment de lâcher dans le corps physique. Et ça, sur le plan personnel, ça a été vraiment l'élément qui me manquait jusque-là sur mon chemin de développement et qui permet d'allier tous les autres corps énergétiques, l'émotionnel, le mental, le corps éthérique. Voilà, c'est vraiment une traversée de toutes ces dimensions et une expansion de conscience parce qu'on est en sécurité et parce qu'il y a une ouverture du cœur qui se fait et qui, à mon, sur le plan personnel, n'aurait pas pu se faire avec quelqu'un d'autre. Et Ernesto a été placé sur mon chemin quand il le fallait et qu'il en reçoive toute ma gratitude. Après 4 jours de retraite, je sens une modification en profondeur. En tout cas pour moi, comme je l'ai vécu, il y a vraiment un changement qui se fait, qui s'opère. Et c'est vrai qu'Ernesto, on est en toute confiance. J'ai fait aussi les mémoires akashiques. Je suis en totale sécurité, je me sens en totale sécurité avec lui. Je suis venue ici parce que je devais être là. J'ai été amenée là, sans savoir qui était Ernesto. Et pour moi, ça a été une vraie découverte. Je crois que pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré un maître. Ça fait longtemps que je chemine, ça fait longtemps que j'accompagne des femmes. Et pour la première fois, j'ai rencontré un maître qui incarne mais totalement ce qu'il raconte. Pour moi, c'est de la douceur, c'est une connexion d'amour, de gentillesse. Et surtout, quelque chose de très très important pour moi, avec de l'humour. Ce stage, au bout de 4 jours, m'amène beaucoup de réponses à mes questions. Et donc, c'est sûr que c'est très très encourageant pour moi, parce que ça me donne un autre point de vue de ce que j'avais, et ça m'apporte quand même un espoir pour l'humanité et pour moi-même aussi, que nous pouvons changer les choses, et ne pas rester toujours dans la haine, au cœur et à toujours nous bagarrer pour un oui, pour un non, pour le pouvoir, pour le contrôle. Ça me donne du courage pour continuer.